Salut à tous, deuxième partie du test, si on peut dire ça ainsi, de la micro-ère Linux. Après avoir étrillé le site web qui est un ramassis, un goubibouga immonde de faute d'orthographe et de grammaire, j'ai réussi à récupérer, après plus d'une heure et demie d'attente via Mega, l'ISO de la version 1.0 en 64 bits. Donc là, je vous préviens, c'est du lourd. On lance l'ensemble. Bien sûr, je vous mettrai le lien de la première vidéo dans celui-ci, dans le descriptif de celui-ci. Donc déjà, pour les vieux de la vieille, vous allez sûrement reconnaître cet écran de chargement Plymouth. C'est celui de la Fedora Linux 11, oui j'ai bien dit 11, qui date de juin 2009. Voilà, déjà, c'est déjà pas mal. Bon, on va passer en plein écran. Et là, on s'aperçoit qu'il n'y a pas de compte utilisateur créé. J'ai pourtant créé un compte utilisateur dans l'installation. Non, c'était trop compliqué, apparemment, de reprendre un compte créé. Donc, il faut utiliser un compte qui s'appelle MicroR. Donc, déjà sympa pour les utilisateurs qui sont fait chier à créer un mot de passe à peu près solide. Donc, c'est une Cinnamon. C'est basé sur Cinnamon. Donc, je m'excuse, autant utiliser directement Linux Mint, plutôt avec une base Ubuntu, bref. Donc là, on va taper le mot de passe, en espérant que je ne me suis pas trompé, voilà. Et donc ça se charge, vous allez voir, on a un Cinnamon à peine revampé, avec un nouveau thème. Quel intérêt, enfin, tant que ça se charge, hein. En espérant que ça se charge. Allez, petit, charge-toi. Voilà. Bon, on sait qu'on a un mode d'ordre du logiciel. Voilà. Voilà ce qu'est la micro-R. Une pseudo-Linux Mint revampée. je m'excuse, quel intérêt. Avec un menu démarré à la... Enfin, menu Cinnamon à la mode... menu démarré de l'époque Windows 7. Donc déjà c'est très agréable. Alors côté traduction et compagnie, là je vous avoue que j'ai rien lancé. Donc déjà, ça va être surprise du chef, sur surprise du chef. Bon, déjà est en français. Ouais. Joie immense. Donc ok, ça c'est potable. Donc là nous avons notre ami Nemo. Donc je sais pas quelle version c'est de Cinnamon, mais ça va pas être la dernière. Non, la dernière c'est la 2.2.16, si mes souvenirs sont bons. Donc c'est une version un peu pas tout à fait vieille, mais pas tout à fait récente non plus. Donc mais, voilà. Moi je m'excuse. Je pensais quand même qu'on pouvait avoir un compte utilisateur. C'est trop compliqué de créer un compte utilisateur. On va se demander de faire ça. Donc. Espérons que je n'ai pas fait de faute de saisie. Bah, c'est demander ça de faire un compte utilisateur. Vous allez voir, non, mais c'est terrible. C'est super long d'ajouter un compte utilisateur. Et de définir un mot de passe. Voilà, c'est tout. J'ai créé un compte utilisateur, ça m'a demandé 2 minutes. Même pas, ça m'a demandé 30 secondes. Donc, qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre? Bon, on va continuer le massacre. Faut aimer aussi les fonds un peu nébuleux. Donc, je suppose que Firefox est en anglais. Non, il est en français. Non, c'est Firefox 32, bien sûr, ok. Donc là, je m'excuse, je vais montrer le site de la micro-R, parce que là, ça dépasse tout, quoi. Mais quel intérêt? Comme je n'ai pas le site de la micro-R en mémoire, je passe par notre ami DistroWatch. Sauvegarde.
sous mettre distribution. Et on va en queue de liste. Voilà. Alors désolé pour les yeux qui ont oublié, pour les yeux fragiles. Je comprends pourquoi j'aime Adblock. Voilà. Bon, allez, on ferme ça, t'as droit à ça. Là, je vais me faire un plaisir. Bon, alors déjà, merci pour les pubs. Hein. On va essayer de le fermer. Mais voilà. Oh, j'avais pas vu cette faute de frappe. Alors là, il y a une faute de. Sur cette page, il y a 1, 2, 3, 4 fautes. Alors je vais me faire un plaisir de rajouter un, ça sert à rien. Passez vraiment le cas de lire. Bon. Bon, ben là, je pense que je vais arrêter le massacre parce que je vais m'énerver sinon. Donc, vous avez la preuve de ce qu'il ne faut pas faire sous les yeux. On arrête le massacre. Je vais me libérer plusieurs gigas de disque dur et ça va me faire un plaisir de virer cette saleté de mon disque dur. Allez, à la prochaine.